Bonjour, nous allons interviewer le docteur Jean-Louis Curiot, MCU-PH à la faculté de chirurgie dentaire de Reims. Et c'est notre dernière interview de ce congrès 2012. Et le thème de sa conférence est le gradient thérapeutique adapté aux seniors. C'est assez complexe comme titre. Oui, effectivement, mais pourquoi ce titre? Parce qu'en fait, au niveau des seniors, il y a le vieillissement physiologique qui intervient et que l'on subit tous. On peut dire que finalement, le vieillissement fait son œuvre, tant au niveau de l'anatomie, de la physiologie que de la psychologie. Mais ça, ce n'est qu'un des éléments. Et un autre élément qui est très important, c'est l'état de santé du patient et son degré d'autonomie. Et on peut donner un exemple un peu caricatural, bien que c'est la personne de 80 ans qui va sortir faire son tour de vélo, c'est des kilomètres par jour, que l'on peut comparer à une personne de 70, même 65 ans, qui a une polypathologie, qui est polymédiquée. C'est D'accord. évident que au travers de cet exemple, on voit que l'abord ne sera pas le même. Et donc c'est à travers cela que finalement on a décidé, avec le docteur Citario, de donner ce titre à cette. D'accord. Et voilà. Il me vient à l'esprit que par rapport à ce qu'on vient de dire, la prévention semble être quelque chose d'important. Très important, c'est primordial. Parce qu'avant, heureusement pour les patients, et je pourrais dire malheureusement pour nous, c'était plus simple au sens où les personnes perdaient plus rapidement leurs dents, étaient édentées plus tôt au cours de leur existence. Alors que maintenant, ce n'est pas le cas. Et heureusement pour les patients, parce qu'ils ont un coefficient de mastication qui reste important, mais il n'y a pas que la mastication, il faut penser aussi à déglutition, qui est une fonction très importante chez les personnes âgées. Et en fait, le problème, c'est que lorsqu'il y a une perte de l'équilibre au niveau de la sphère orofaciale, très rapidement, on peut avoir une dégradation de l'état buccal, apparition de pathologies carieuses, pathologies parodontales, et qui vont faire que finalement, pour nous, il sera très difficile de les soigner. Et si on est obligé de les extraire, est-ce qu'on pourra remplacer ces dents? C'est toute la question, et ce n'est pas évident, parce qu'on sait qu'avec l'augmentation de l'âge, l'avancée en âge, on a une diminution de la capacité d'adaptation. Et un patient qui n'a jamais porté de prothèse amovible et qui a 85 ans et Difficile. en qui on va demander de porter une prothèse amovible, le risque d'échec est non négligeable. On voit dans dans l'exercice libéral certains praticiens qui ne rendent pas tous les conseils qu'il faudrait à des personnes âgées, ne rentrent pas dans des plans de traitement qui leur seraient appropriés et attendent un peu trop. Et qui donne ce qui nous donne des patients qui arrivent très abîmés. Comment on réagit par rapport à ça? Ben, ce n'est pas évident parce qu'en fait, on a tous entendu la personne âgée dire: Oh, vous savez, à mon âge, ce n'est pas, je n'ai plus quelques années à vivre. Ben, est-ce que ça vient vraiment du patient ou est-ce qu'il ne l'a pas trop entendu? Est-ce que des fois, on a des situations assez délicates par rapport aux L'entourage. enfants, à l'entourage? Alors, ça, c'est très complexe, la relation. La relation avec le patient, avec l'entourage et ses sources de conflits. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre son temps, à bien expliquer. Demander le dossier médical et ils auront uniquement les informations qui sont nécessaires à leur action. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Les personnes qui vont agir en même temps dans ces directives. Alors quel est le qui était très intéressante sur les différents aspects, en particulier l'aspect juridique. Et l'aspect de la prise en charge en fonction des différentes pathologies qu'on peut avoir. C'était une séance très intéressante où on a vu qu'il était essentiel de bien réfléchir avant de prendre ces personnes âgées en charge parce qu'ils sont souvent avec beaucoup de médicaments et il faut peut-être faire les choses à minima et toujours les écouter, savoir quelle est leur demande et faire vraiment ce qui pour eux est le plus important.